l'éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Les frères, c'est une façon d'acclamer son Dieu. Amen. Nous devons acclamer Dieu, nous devons crier pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Il ne faut pas que cela gêne qui que ce soit. Vous devez vous sentir à l'aise quand on parle d'acclamer le Seigneur, de donner gloire à Dieu. Amen. Si nous marchons, si nous parlons, c'est parce qu'il y a un Dieu. Amen. Si tu es là, c'est parce qu'il y a un Dieu. Si Dieu n'était pas là, tu n'allais même pas te retrouver à cet endroit. Tout ce que nous sommes, c'est Dieu. Tout ce que nous avons, c'est Dieu. J'existe parce qu'il y a un Dieu qui a créé toutes choses. Amen. Amen. C'est pour ça que nous sommes infiniment reconnaissants envers ces dieux-là. Aujourd'hui, nous voulons parler de la sainteté à l'éternel. Amen. Amen. Nous voulons introduire cet enseignement sur la sainteté à l'éternel. J'aimerais que tu puisses retenir, si tu peux écrire, ce serait très encourageant. Nous allons tirer notre texte dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 6. Chapitre 6, en commençant par le premier verset, donc on va lire tout le verset, donc ça va jusqu'au verset 13. Ésaïe 6, l'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur siégeant sur un trône très élevé, les pans de son vêtement remplissaient les temples, des séraphins s'étenaient au-dessus de lui, chacun d'eux avait 6 ailes, 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voiler les corps et les 2 derniers pour voler. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient « Saint, Saint, Saint et le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Nous voulons parler de la sainteté à l'éternel aujourd'hui. Les montants des portes du temple se mirent à trembler au son de ses voix, tandis que le sanctuaire s'est rempli de fumée. Je me criais, malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. Alors l'un des séraphins vola vers moi, il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il m'en toucha la bouche, il me dit, maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée ou expiée et ton péché est expié. Et j'entendis alors le Seigneur qui disait, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Alors j'ai répondu, je suis prêt, envoie-moi. Et le Seigneur me dit, va et dis à ce peuple, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Oui, vous aurez beau voir, vous ne percevrez rien. Rends ce peuple insensible, ferme-lui les oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voit pas de ses yeux, pour qu'il n'entende pas de ses oreilles et pour qu'il ne comprenne pas et qu'il ne puisse pas retourner au Seigneur afin d'être guéri. J'ai demandé alors, jusqu'à quand Seigneur? Et il m'est répondu, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, qu'il n'y ait plus personne dans les maisons, et que ce territoire soit réduit en désert et dévasté. L'Éternel enverra ses habitants au loin, et le pays sera à l'état d'abandon. S'il subsiste encore un dixième du peuple, à son tour, il sera embrasé par le feu. Mais comme un térébinthe ou comme un chêne qui conserve sa souche, quand il est abattu, la souche de ce peuple sera une semence sainte. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, a exercé son ministère dans le royaume de Juda à partir de 740 années de la mort du roi Ozias. Sous le règne de Yotam, Ahaz et Ézéchias, ces derniers ayant régné jusqu'à 698, il a ainsi été contemporain de son compatriote Miché, ainsi que Osée, prophète du royaume du Nord, à la fin de celui-ci. Ésaïe a vécu à Jérusalem. C'était un grand prophète que Dieu a utilisé avec une onction particulière, un message qui appelait les gens à se repentir, un message puissant, un message qui prophétique et qui nous a révélé pas mal d'éléments dans la christologie aujourd'hui, dans la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'était pas n'importe quel prophète, c'était un contemporain de Miché. Vous connaissez Miché, ce n'était pas n'importe qui, c'est un prophète qui devait
libérer les messages droitement. C'est l'un des prophètes qui a parlé aussi du Messie qui allait venir, je crois, dans Michée 5, premier verset. Donc ce ne sont pas des n'importe quel prophète, c'était vraiment des messagers que Dieu a utilisés avec des messages poignants qui interpellaient les gens à servir le Seigneur. Et ici, dans ces textes que nous venons de lire, on nous dit que l'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Les pans de son vêtement remplissaient les temples. L'homme de Dieu est introduit dans un monde surnaturel. Il est introduit dans une révélation où il voit des choses que l'homme normal ne peut pas voir. Amen. Il voit des choses que l'homme naturel ne peut pas saisir. Et dans cette vision apparaissent les principales préoccupations du livre, la sainteté et la majesté de Dieu. Nous voyons l'homme de Dieu qui va décrire tout ce qu'il voyait. Une sainteté à laquelle on ne peut échapper et une gloire unique devant laquelle tout genou fléchit et tout le monde confesse la seigneurie de Dieu. Il est face à cette sainteté, face à cette glorieuse présence divine. Il dit « Malheur à moi, un serviteur de Dieu ». Ou un peut-être serviteur de Dieu, exemplaire, considéré dans la société. Et les gens pensaient, voyaient en lui un modèle. Mais face à la sainteté de Dieu, il a vu sa laideur. Face à la sainteté de Dieu, il a vu son état. Face à la sainteté de Dieu, l'homme a crié « Malheur à moi !» Car il savait qu'il n'était pas digne de voir même cette révélation. Il savait qu'il n'était pas digne d'approcher la sainte présence de Dieu. Nous ne pouvons pas servir Dieu et l'approcher n'importe comment. Amen. Nous ne pouvons pas servir Dieu n'importe comment. Dieu a donné les normes, ou bien il a donné une ligne de conduite que l'Église doit suivre. Il a commencé ses cheminements avec Israël dans l'histoire de l'époque. Il a appelé Abraham. Avant Israël même, il a appelé Abraham. Il a dit, sors de la famille de ton père. Sors. Pourquoi Dieu a dit à Abraham de sortir? Parce que dans la famille des pères d'Abraham, il y avait l'idolâtrie. Et Dieu ne fonctionne pas dans l'idolâtrie, n'est-ce pas? Dieu n'aime pas les mélanges. Dieu dit à Abraham, sors de là. Abraham sort. Quand Abraham sort, Dieu commence à tailler maintenant Abraham. Dieu commence à s'éminer avec Abraham pour faire perdre Abraham tout ce qu'il avait appris de la maison de son père. Parce que ce qu'il a appris dans la maison de son père allait tout le temps réclamer dans Abraham, n'est-ce pas, la servitude et la dépendance. Alors Dieu est en train de dire à Abraham, sors de la maison de ton père et va où je t'indiquerai. Abraham accepte l'appel de Dieu pour suivre la mission que Dieu lui donne, l'appel de Dieu. Il commence à cheminer avec Dieu, mais tout est compliqué. Mais Dieu est en train de cheminer avec Abraham. Dieu est en train de tailler la vie d'Abraham. Dieu apprend des choses à Abraham pendant ce cheminement. Vous savez, la maison du père d'Abraham, c'était une maison mystique. Et Abraham devait suivre les directives de Dieu pour échapper à ces forces mystiques qu'invoquait son père. Est-ce que vous comprenez tout ça? Et Abraham a commencé à servir Dieu. Dieu lui dit que je t'ai appelé, je t'ai choisi. Dieu va conclure l'alliance avec Abraham dans Genèse 12. Dieu lui dit que ta descendance sera bénie, tout ça. Dieu lui détaille les promesses. Et Dieu conclut l'alliance avec Abraham. Abraham entre en alliance. Entre en accord avec Dieu. Abraham conclut un pacte, un contrat d'alliance avec Dieu. Et il conclut le contrat d'alliance avec un Dieu infaillible, un Dieu éternel, un Dieu immortel. Mais lui qui était mortel, il a conclu cette alliance avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu s'est révélé à Abraham par sa grâce, par sa miséricorde. Abraham meurt, mais Dieu continue la mission toujours avec Isaac. Isaac va continuer avec la même mission. Isaac aura pratiquement le même problème avec son père. Dieu va les protéger. Dieu donne encore au Jacob. Jacob qui était l'usurpateur. Dieu va sortir en Jacob, Israël. Dieu cherchait à rejoindre un peuple. Et Dieu commence de là pour te rejoindre toi aujourd'hui. Dieu a commencé une mission parce que le souci de Dieu, c'était d'avoir un peuple mis à part pour lui. Un peuple consacré à l'Éternel, un peuple saint. Dieu ne cherchait pas à avoir un peuple seulement qui va l'honorer de ses lèvres, mais Dieu a voulu avoir un peuple saint. Et lorsqu'on dit qu'on est des chrétiens, c'est-à-dire qu'on est des saints, n'est-ce pas? On n'est pas des chrétiens pour juste venir le dimanche, des chrétiens le dimanche, bien la semaine, mais on est des chrétiens par rapport à notre vie.
qui s'identifie à Christ. Je vis comme Jésus-Christ. Ce que je fais doit démontrer réellement que je connais Jésus-Christ. Si Jésus était à ma place, quelle serait sa réaction, par exemple, n'est-ce pas? Je ne suis pas chrétien pour paraître, mais je suis chrétien par la nature parce que je connais Christ, je suis né de nouveau et j'essaye de vivre comme Christ à travers le Saint-Esprit qui m'adonne, qui m'accorde la force et la capacité, n'est-ce pas, d'appliquer ces vérités dans ma vie. Le roi Ozias est mort après la vocation du prophète. Il mourit lépreux pour avoir manqué du respect à la sainteté de Dieu. Quand son cœur s'éleva, vous pouvez lire ça dans les Chroniques 26, 16. Les prophètes devant toute autorité humaine, doivent se courber. Les prophètes se retrouvent devant Dieu. Ils voient que les anges, ils voient, ici on ne nous cite même pas les 24 vierges, on nous cite seulement les anges, les séraphins, les anges qui sont là dans la gloire de Dieu. Ils voient les anges qui n'arrivent même pas à regarder Dieu, qui se couvrent parce qu'ils sont face à la sainteté de Dieu. La Bible dit, personne ne peut voir Dieu et vivre, n'est-ce pas? Mais pour voir Dieu, ça prend une miséricorde de Dieu, une grâce divine pour voir Dieu. Et vous allez lire dans les Écritures, tous les gens qui ont eu à voir des visions de la part du Seigneur, de Dieu, ils n'ont pas vraiment pu dire que ça, expliquer la figure comme telle. Parce qu'ils voient quelque chose, ils voient une lumière. Ils voient ce que Dieu leur permet de voir, mais ils ne peuvent pas accéder jusqu'à voir Dieu tel qu'il est dans son essence. Parce que l'humain ne peut pas supporter Dieu. Nous habitons dans un corps corruptible. Nous sommes dans la corruption. Donc, étant corruptible, nous ne pouvons pas voir Dieu qui est saint. C'est pour ça que la Bible dit l'homme ne peut pas le voir. Si tu le vois, tu meurs. On ne peut pas. Alors, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu à trouver des moyens pour que l'homme puisse les voir. Dieu est le seul qui est venu nous chercher. Dieu est le seul qui est venu vers l'homme. Amen. Quand l'homme a péché dans les jardins d'Éden, c'est Dieu qui est venu vers l'homme, qui a dit, Adam, où es-tu? C'est Dieu qui trouve toujours la solution aux échecs de l'homme. C'est Dieu qui trouve toujours la solution aux erreurs de l'homme. Dieu vient toujours pour réparer. Nous sommes tous faillibles, mais c'est Dieu qui nous aime, c'est Dieu qui vient vers nous. Amen. Alléluia. Dieu est saint et il a besoin d'un peuple saint pour le servir. La sainteté est un élément fondamental qui permet de distinguer un chrétien d'un païen. On ne peut pas dire qu'on est chrétien alors que dans la réalité, dans la vie de tous les jours, on est païen. On a une vie intime. Quand on dit qu'on est chrétien, cela veut dire qu'on est né de nouveau. On a rencontré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On l'a accepté dans sa vie et on commence à cheminer avec Jésus-Christ. On ne vient pas pour paraître, mais on est chrétien. On a cette vie de la chrétienté. Nul ne peut servir deux maîtres sans que l'autre ne soit trompé, dit la parole. On ne peut pas servir Dieu et maman. On ne peut pas servir Dieu et les diables. Tu ne peux pas servir Dieu et le monde. Vous savez, la sainteté est même dans la nature de Dieu. La sainteté découle de Dieu. La sainteté est une qualité fondamentale de Dieu et de son esprit. Une vertu indispensable de tout vrai chrétien. Et un attribut de certains lieux, objets, jours, dates, actions, etc., etc. Les mots hébreux, lorsqu'on dit kadosh, qui signifie pour pur, physiquement, rituellement, et surtout moralement, spirituellement. Parfois, il faut traduire par séparé, mis à part, retranché, consacré. On est une race élue, mise à part pour Dieu. Quand on dit on est un royaume de sacrificateurs, ça ne veut pas dire qu'on est un royaume de sacrificateurs, on est appelé à rester à la maison comme moi aussi je suis sacrificateur, c'est fini, j'ai plus besoin de l'église. Non, c'est pas ça. Dieu nous a donné accès auprès du Père à travers le Saint-Esprit. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, les voiles étaient déchirées, nous avons tous accès auprès du Père. Mais nous ne pouvons plus vivre comme on vivait avant. Je ne peux plus conduire ma vie comme je la conduisais. Je ne peux plus me comporter comme n'importe qui. Je suis au service de Dieu. Et Esaïe est face à cette vision. Il voit les trônes, il voit la gloire de Dieu. Il commence à paniquer parce que l'homme ne peut pas supporter la sainteté de Dieu. Il commence à se rendre compte que malgré les éloges qu'il avait dans les mondes, qu'il était sale. Malgré la gloire peut-être qu'il avait, on dit que c'était un homme quand même de bien. Mais il était toujours sale, malgré la considération des gens. Il n'était pas
si propre que ça devient la pureté de Dieu. Quand tu vois Dieu, tu changes ta conduite. Quand tu les rencontres, tu changes ta façon de vivre. Tu ne peux pas rencontrer Jésus-Christ et rester le même. Tu ne peux pas rencontrer Christ et rester un pécheur en pleine église. Combien sont ceux-là qui sont des croyants, soi-disant dans les églises, mais qui sont perdus en pleine église? Ils sont des chrétiens, mais en pleine église, ils sont perdus. Perdus dans pleine église. Et le pire, c'est quoi? C'est que quand Jésus-Christ reviendra, ils iront en enfer, mais en étant en église. Oh, malheur à toi si tu vas en enfer, parce que l'enfer, ça brûle. Et puis l'enfer, c'est pas pour un mois, c'est pour l'éternité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut jamais oublier que l'enfer brûle et que ça existe. Peu importe comment ça va être, moi je ne veux pas y aller, mais je sais que ça existe. Comme Dieu l'a dit, Dieu ne ment jamais, il dit la vérité, c'est lui la vérité. Ça ne sert à rien de discuter, de chercher à comprendre, ce sera où? C'est en Asie, c'est en Afrique, c'est dans les cieux, en dessous de la terre. Ce n'est pas mon problème. Mon problème est que je dois l'éviter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons vivre la vie chrétienne proprement dite. Quand je suis chrétien, je dois me comporter comme un chrétien. Cet homme, dans le contexte de l'époque, est en train de voir une vision embarrassante, une vision qui le dépasse, qui l'étonne, qui l'effraie. Il voit des choses comme les prophètes. Daniel aussi, dans Daniel 7, 9 à 8 à 10, il voit pratiquement les mêmes choses. C'était des gens prophétiques avec des visions prophétiques qui touchaient l'avenir. Ils ont vu des visions qui étonnent. Dieu lui donne cette révélation, non pour rien, parce que Dieu était fatigué de voir son peuple se méconduire. Dieu était fatigué d'avoir un peuple au courant, un peuple têtu qui ne veut pas se repentir. Si tu enlèves dans ta vie chrétienne la repentance, tu peux te poser la question si tu es chrétien. La repentance doit te mener dans la vie de tous les chrétiens. On doit toujours se repentir. C'est pour ça qu'un véritable chrétien n'attend pas le dimanche pour venir confesser des péchés. Il ne fait pas un lot de péchés pour les ramener le dimanche. Comme on dit dans ses épées, ça compte. Il ne fait pas un lot de péchés. Quand il vient dans l'église, lui-même il confesse déjà, même en route, il confesse pendant qu'il pêche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oh, grandissons. La maturité spirituelle nous amène à confesser quand je pêche. Je n'attends pas le dimanche pour venir confesser. Et si je mourrais la semaine? Je dois préserver ma relation avec Dieu. La seule chose qui domine, qui a plus de valeur dans mon cœur, c'est ma relation avec Dieu. Amen. Je ne peux pas vivre tout en négligeant ma relation avec Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien tout en négligeant, en bafouant la relation avec Dieu. Toute personne dans l'église doit respecter la sainte présence de Dieu, la relation avec Dieu. Est-ce que c'est une relation de qualité? Ou c'est une relation de négligence? As-tu une relation de qualité avec Dieu? Ou bien c'est une relation de négligence totale? On sert Dieu dans la négligence et on écope la malédiction de Dieu. On sert Dieu dans la négligence et on est frappé par la colère du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous ne respectons pas la sainteté de Dieu. En pleine église, on fait n'importe quoi. En plein milieu chrétien, mais on est en train de détruire les gens. En pleine église, on est dans l'église, mais on chasse les gens de l'église. On est comme le grand frère de l'enfant prodigue. On est en pleine église, mais on a été détruit. On n'arrive pas à servir Dieu. Sainteté à l'éternel. Nous ne pouvons pas vivre notre vie sans pour autant nous conformer à la vie de Christ. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lesquels existent en forme de Dieu, qui ne s'est pas regardé comme Dieu, qui a pris la forme des serviteurs, qui a accepté d'être un serviteur. Il a accepté d'aller jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Mais pourquoi on dit c'est pourquoi? C'est pourquoi c'est relié, il n'y a pas de coupure, c'est relié par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à sa conduite, par rapport à son attitude, par rapport à son service. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Est-ce que Dieu peut dire c'est pourquoi dans ta vie? Est-ce qu'il peut dire c'est pourquoi dans nos vies? Bien aimé, nous devons vivre la vie chrétienne proprement dite. Cette vision qui nous a introduit dans un temple céleste où il voit Dieu sans le voir. Un temple céleste, l'homme panique, il se demande, mais c'est quoi ça? Il dit, des séraphins s'étaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait six ailes. De
deux ailes pour se couvrir le visage, deux autres pour se voiler le corps, et les deux derniers pour voler. S'adressant l'un à l'autre, il proclamait Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. Dans le texte original, ici on dit Saint, Saint, Saint est Yahweh Sabaoth. Et Yahweh Sabaoth. Pourquoi est-ce en train de dire ça? Vis les myriades et myriades des anges, vis les nombres des gens qui étaient là, vis la gloire de Dieu. Et des fois on dit l'armée céleste, c'est l'armée de Dieu. Ça touche toutes les créatures de Dieu. Et quand on dit ici les dieux des armées, on parle de ces dieux vainqueurs, de ces dieux glorieux, de ces seigneurs des guerres. Il dit Saint, Saint, Saint. Et le Seigneur est Yahweh Sabaoth. La terre est remplie de sa gloire. Ça veut dire que toute la terre doit être affectée par la présence de Dieu et rien n'échappe à son contrôle. Il dit Saint, Saint, Saint. Ce sont les anges qui sont en train de rendre gloire à Dieu. Ils sont en train de voir les merveilles devant Dieu. Il dit Saint, Saint, Saint. Et l'Éternel des armées. Vous savez, les Hébreux n'arrivaient pas à dire, on n'écrivait même pas Yahweh, ils écrivaient YHWH. Parce qu'ils ne voulaient même pas prononcer ça. Vous savez pourquoi ils ne voulaient pas prononcer? Parce qu'ils les respectent du nom de Dieu. C'est pour ça que les Hébreux, des fois, dans leurs écrits, ils disent les noms. Ils ne disent pas Dieu. Ils écrivent toujours les noms. Pour montrer la crainte et le respect de Dieu. Mais quand on va voir maintenant, nous, on dit maintenant on est des évangéliques, on est maintenant des chrétiens. Comment nous négligeons les noms de Dieu? Il ne faut pas prononcer les noms de l'Éternel en vain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas se méconduire en utilisant les noms de Dieu. Il ne faut pas faire n'importe quoi en citant les noms de Dieu. On utilise la Bible, on ment. On utilise la Bible, on trompe les gens. On utilise la Bible, on manipule les gens dans les églises. On utilise la Bible, on fait n'importe quoi. On utilise la Bible, on manipule les jeunes filles, les jeunes sœurs dans l'église. On utilise toujours la Bible. C'est toujours à travers la même Bible que les gens font n'importe quoi. Le pasteur te fait confiance dans l'église, mais toi tu es un super dragueur dans l'église. Mais tu en utilisant la Bible, la même Bible est toujours. Des fois les gens sortent de l'église, vous ne savez pas pourquoi, mais parce qu'il y a un frère super dragueur dans l'église. Il détruit, mais il est toujours là. Et il détruit, mais Dieu va te frapper. Je vais venir aujourd'hui à l'église, on ne joue pas avec la sainteté de Dieu. On ne joue pas. Tu peux jouer à l'extérieur, fais des blagues dans tout ce que tu veux faire. Mais ne jouez pas avec Dieu. Est-ce que vous me suivez bien? Ne jouez pas avec Dieu. Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas un faiblard, Dieu n'est pas un vieillard fatigué avec des cheveux blancs et maintenant il est en train de prendre des médicaments, des vitamines. Dieu n'est pas fatigué, Dieu est en forme, bien-aimé. Il est éternel, c'est lui qui t'a créé, c'est lui, c'est Dieu. Amen. Tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Plusieurs pensent manipuler Dieu, on ne manipule pas Dieu. Et Dieu n'est pas non plus notre garçon de course. Esaïe est en train de voir les dieux qu'il servait, sans pourtant bien les connaître. Il se rend compte que les anges sont en train de les vénérer, de l'adorer, de lui donner toute la gloire. Ils disent que la terre est remplie de sa gloire. Tu ne peux pas te cacher devant ces dieux. Où fuirais-je loin de ta face? Même si je me cache dans une grotte, tu me vois. Même si je prenais les ailes pour voler, tu me vois toujours. Même si je me cachais dans les eaux profondes, tu vas me voir. Où fuirais-je loin de ta face, Dieu? Combien de gens vont mentir juste en sortant de la salle? Combien de gens vont faire n'importe quoi juste en sortant de la salle? À quoi servirait un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Arrêtez de faire des éloges à titre apostolique, bien quand les gens meurent, ils vont toujours dans les Marius Poirier. Ah, il était bon, c'était quelqu'un de bien poli, un homme qui ne parle pas. S'il était païen, il ira en enfer. Arrêtons ces hypocrisies-là de la chrétienté. Les chrétiens, nous sommes très hypocrites, nous devons sortir de là. Est-ce que quelqu'un peut dire amen pour m'encourager? Ça ne sert à rien. Pendant qu'on est en train de faire ce genre de déclarations, toi et moi, nous sommes assis dans la salle, nous savons comment. Oh, aidez-moi à bien prêcher la parole de Dieu. Nous savons que c'est la vérité parce que avant de mourir, qu'est-ce qu'il a fait à sa femme et ses enfants? Nous le savons tous. Mahomet.
Donc vous voyez, il y a des choses qui se passent dans le monde. Nous faisons l'hypocrisie, nous vivons l'hypocrisie et nous venons à l'église, nous parlons de Dieu. Oh Dieu Saint, merci. C'est pas mal que je lève ma main comme ça que je suis saint. Oh, je t'aime tellement, Seigneur. Il y a toutes sortes de belles prières que nous suivons dans les églises. Mais nous voulons des gens véritables, des gens qui marchent dans la crainte de Dieu. Dieu n'a pas besoin de ces déclarations d'amour. Oh Seigneur, vous savez, il y a des gens quand ils prient, vous avez même envie de. Même envie de donner de l'argent parce qu'ils ont un français qui. Lorsqu'ils prononcent ces phrases, mais, tu as envie de. Ah oh, Seigneur, quelle phrase! Il y a des personnes qui prient, tu dis, ah Seigneur, il y a des bons français pour moi. Non, mais toi, tu te dis, ah, nous, c'est comme le troisième degré, mais ça, c'est le septième degré. Le degré d'en haut. Pourquoi? Parce que la façon de la formulation des phrases, tu vois vraiment les accords, les adverbes, tout est respecté. Tout est respecté. Et la prononciation des S même. Mais Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Ses peuples m'honorent de ses lèvres, mais son cœur est éloigné. Dieu ne regarde pas. Écoutez, si vous honorez, vous allez comprendre les lèvres aujourd'hui. On va traiter le problème des lèvres aujourd'hui dans cette salle. Ses peuples m'honorent de ses lèvres, mais son cœur, ici, est éloigné. Ses peuples font des choses pour moi, mais son cœur est éloigné. Je ne peux pas servir Dieu dans cette attitude. Dieu est tellement saint que je dois le respecter. Alléluia. Amen. Les êtres célestes, cette description a pour but de remettre avec force l'accent sur la sainteté de Dieu, en présence duquel même les êtres éblouissants, les anges et sans péché sont bouleversés par sa gloire. Ils ne peuvent pas les voir. Ils sont incapables de les voir. Et même d'être vus, prompt cependant à obéir et ne fatiguant jamais de les louer. Ils sont constamment dans sa présence en train de dire Saint, Saint, Saint. Et l'Éternel des armées, la terre est remplie de sa gloire. Ils disent Saint, ils sont là en train de l'adorer, de lui dire merci Seigneur, car c'est toi qui nous as créés. Si je parle, si je marche, si je vis, si je suis un ange, c'est toi qui as voulu que j'existe. Merci mon Dieu, parce que tu es Dieu pour moi. Les 24 viennent, prennent leur couronne, ils jettent la terre, ils disent nous ne sommes pas dignes, nous ne sommes même pas dignes, donc c'est toi ce qui es digne. Reste sur le trône de gloire. Moi je préfère m'accroupir à ses louer, je préfère reconnaître ma misère. C'est toi qui es digne. Amen. C'est pour ça que quand on reconnaît Dieu, on est prêt à le louer dans l'église. On est prêt à l'adorer. C'est pour ça que quelqu'un qui découvre Dieu change même sa façon d'approcher l'Éternel. Ça m'étonne des fois quand on fait la louange, on dit on va s'élever pour chanter. Les gens qui n'ont pas les pieds cherchent les pieds pour adorer Dieu. Les gens qui n'ont pas les mains cherchent les mains pour acclamer. Mais toi, tu as les mains, il faut qu'on te dise arrêtons avec ce cinéma dans l'église du Seigneur. Lorsqu'on dit c'est la louange, lève-toi. Quand tu sais que tu veux t'asseoir, reste assis. Mais ce qui est important pour moi dans l'église, c'est que vous compreniez que vous vous approchez du Dieu vivant. Vous ne vous approchez pas de Thierry parce que Thierry c'est un mortel, mais vous approchez du Dieu de la Bible, les dieux qui ne meurent jamais, les dieux qui appellent à l'existence des choses qui n'existent pas, les dieux qui ont fait de toi ce que tu es, tout ce que tu es, tout ce que tu as, vient de lui. La Bible dit nous tout vient de lui et nous recevons de sa main ce que nous lui apportons dans l'église. Qui suis-je devant l'Éternel pour que je puisse grossir mes épaules et que personne ne puisse dire c'est mon intelligence, c'est ma capacité, c'est ma force qui me procure ce bien, mais c'est l'Éternel. Que personne ne puisse dire ce genre de choses dans l'église. Nous venons pour lui, nous sommes là pour lui et non pour un pasteur. Tu viens dans l'église pour servir Dieu. Amen. Tu viens pour Jésus-Christ. Tu ne viens pas pour moi, je suis mortel. Tu viens pour Jésus. C'est pour ça que les gens qui viennent pour moi, les jours que je vais les scandaliser, ils vont sortir de l'église parce qu'ils venaient pour moi. Mais si tu viens pour ton Jésus, il n'a jamais déçu. Même si je suis faillible, mais lui, il est infaillible. Lui, il sait comment intervenir dans ta vie. Il sait comment résoudre tes problèmes. Il te connaît mieux que moi. Là, je suis limité. Lui, il est illimité. Il sort les cas et les reins. Il sait pénétrer les entrailles. Il connaît ton problème dans la profondeur. Je ne sers pas un homme. Je sers les dieux de la Bible. Les dieux de la Bible, c'est un Dieu qui se démarque. Quand on parle de Dieu, il est saint, saint, saint. Il ne supporte pas les péchés. Il ne supporte pas la saleté. On l'approche dans la sainteté et dans la crainte. Amen. Arrêtons de mentir Dieu, de mentir les fois en pleine église. Arrêtons la jalousie. Arrêtons les calomnies. Arrêtons toute source de saleté dans l'église. Nous sommes dans l'église de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.
Amen. Je viens de dire que nous sommes des pèlerins. Un jour, je ne serai plus sur la terre. Mais j'aimerais te laisser avec cette impression que Dieu est le même. Dieu connaît toutes choses. Ça ne sert à rien de mentir. Soyons vrais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Vous aimez Dieu parce que vous avez un problème. Mais le jour que Dieu va t'accorder la solution, c'est fini. Tu aimes Dieu parce que tu as besoin d'une voiture. Mais le jour que Dieu va t'accorder une voiture, croise les 300. C'est fini, tu crois que tu as une Jaguar. Juste avec une croise les 300. Tu crois que tu as un Bentley. C'est pas une Bentley. Avec tous les matériels que Dieu nous donne, nous nous trompons, nous faisons des illusions dans la tête. Certaines personnes, comme quelqu'un me disait, parce que moi, depuis que j'ai la voiture, c'est comme si quand je reste à la maison, j'ai toujours des comportements. Sors, va dans les centres commerciaux, sors, va te promener. Mais tu ne peux pas aller au centre-ville. Ah! Ils n'ont jamais le temps pour Dieu, ils n'ont jamais le temps pour l'adoration. Mais la voiture, te dit, est-ce que tu as les cadres? Oui. Tu ne peux pas aller à Ottawa. Ça, juste un tour. Et si tu mourrais sur la route? Les justes ne vivent pas comme ça. Un chrétien ne vit pas selon les sentiments, selon les mouvements. Un chrétien vit selon la direction de Dieu. Quelle est la réaction des anges? La phrase proclame l'étendue et le caractère de sa domination, la gloire et l'éclat qui émanent de ce qu'il est. Par conséquent de sa sainteté, toute la terre, pas seulement Israël, a été faite par elle et pour elle. Saint, 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 Yahweh Sabaoth, et sa gloire remplit toute la terre. Dieu est grand. Cessez de servir Dieu avec légèreté. Cessez de servir Dieu avec légèreté. Ceux-là qui servent Dieu avec légèreté n'auront rien. Même si je ne le dis pas, Dieu ne te donnera rien. Parce que vous savez, Dieu, avant de donner à quelqu'un, Dieu connaît nos cœurs. Dieu nous observe. Amen. Vous savez, il y a personne de plus sérieux que Dieu. Qu'on ne vous trompe pas. Personne n'est plus sérieux. Le seul qui est tellement sérieux, c'est mon Dieu. Il sait quand résoudre ton problème, il sait quand intervenir. Tu lui fais confiance, il interviendra. Il est sérieux, il ne ment jamais, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Alors quand on l'approche dans la sainteté. Écoutez la réaction d'Esaïe. Ayant vu les signes du jugement et la sainteté de Dieu, le prophète a vite compris combien il est dangereux et terrible de tomber entre les mains de l'Éternel. Tu ne peux pas voir la sainte présence de Dieu et rester indifférent. Quelque chose doit se passer dans ton cœur, n'est-ce pas? C'est comme un homme qui a dit, je n'ai jamais vu un homme qui passe auprès de la croix et rester le même. Quelque chose s'est passé dans son cœur. Ah, ah, ah. Ah! C'est anormal quand tu passes auprès de la croix et que tu restes le même, tu ne changes pas. C'est anormal que tu découvres Jésus et tu restes toujours païen en pleine église. Oh non, non, c'est pas normal, bien aimé. Ce n'est pas normal. Quand tu rencontres Jésus, quelque chose doit se passer dans ton cœur. Quelque chose doit se passer dans ton cœur. Tu dois les connaître personnellement. Une relation de qualité. Quand tu vis avec quelqu'un, avec ta femme, tu développes une relation de quoi? De qualité, n'est-ce pas? Mais vous améliorez, n'est-ce pas, les choses. Mais en fait, tu sais la même chose, c'est le même principe. Tu ne vis pas avec tes amis dans une relation bafoué, il faut amener la relation à un autre niveau, une autre dimension. Plus proche tu es avec Dieu, plus proche Dieu sera en toi. Plus tu t'approches de Dieu, plus Dieu sera dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu passes 5 heures du temps. 4 heures du temps dans la prière, Dieu remplis-moi de ta puissance, remplis-moi de ta puissance. Quand tu finis la prière, tu es le premier à siffler, à injurier, à maudire par ta bouche. Tu te suis rapidement alors que tu viens de perdre beaucoup de temps inutilement. Si tu es encrébassé, c'est à dire on t'est rempli, il y a toujours des fuites et ça coule à côté, à gauche, à droite. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas conserver la présence de Dieu dans ta vie. Tu ne sais pas conserver ce que Dieu donne dans ta vie. Donc on t'est rempli, tu sors, tu perds tout. Ça sert à rien de vivre comme ça, bien aimé. Combien sont ceux-là dans l'église, dans les églises de Dieu, qui ne marchent pas avec le Seigneur? On chante, mais on ne craint pas Dieu. On chante, mais on vit dans la publicité. On chante,
mais on continue à faire n'importe quoi. Mais un jour, Dieu va te frapper. On presse mon camp à Dieu. On modèle mon camp à Dieu. Et ça a dit malheur à moi. Comme dans d'autres pays, on dit maman et la maman. Donc, c'est comme s'il dit c'est quoi ce problème? Ce qui ne devait pas m'arriver est arrivé. Et cela ne vous gêne pas. C'est pour dire ça m'étonne ce que je suis en train de voir. Mieux valait pour moi de ne même pas voir Dieu que de les voir et de sentir ma misère. De sentir mon état. Je suis ça. Et je n'ai même pas vu la totalité de cette divinité. Je n'ai vu que l'esquisse. Juste l'introduction, mais ce que je vois déjà, mes frères. Il dit malheur à moi. Nous ne pouvons pas servir Dieu dans le péché. Remarquez quelque chose. Dieu descend à la montagne. Il appelle Moïse. Moïse. Moïse monte ici. Moïse monte. Moïse monte. Dieu lui dit, enlève tes sandales. Le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Oh, la terre est sainte. Mais Moïse, si tu as les sandales, donc c'est dans l'époque. Et dans les endroits désertiques, même dans la Palestine de l'époque, même aujourd'hui, ce sont les endroits où il y a la chaleur, où les sables, la poussière, ils ramassent la poussière. Donc les pieds de Moïse étaient tellement sales, comme berger. Et Dieu lui dit, enlève les sandales, Moïse. Est-ce que ça enlevait la sainteté dans les pieds? Oh, il n'a pas lavé les pieds. C'était toujours sale, n'est-ce pas? Mais Dieu est en train de donner à Moïse une notion qu'il devait comprendre. Le respect de sa présence. Le respect de la présence de Dieu. Et maintenant, d'autres ont mal compris cette vérité. Ils ont établi des principes maintenant dans leurs églises. Pour qu'on entre, il faut qu'on laisse les chaussures à la porte. Vous allez voir des gens qui arrivent. C'est comme si on était en hiver au Canada. Ils laissent les chaussures à la porte avant d'entrer dans l'église. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. C'est un enseignement que Dieu a donné à Moïse. Pour dire que partout où la présence de Dieu atterrit, il faut qu'il y ait le respect de cette présence. Il faut qu'il y ait le respect de sa présence. On n'approche pas Dieu n'importe comment sinon on meurt. C'est pour ça que Dieu va dire à Moïse, lorsque Moïse va demander encore plus de révélation, Dieu va lui dire, je vais te mettre dans un creux. Tu seras protégé par ma main et tu verras ma gloire passer. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu vivre. Tu ne peux pas supporter la présence de Dieu vivre. C'est dans sa grâce que nous sommes en vie. Amen. C'est par son amour que nous parlons. Mais combien nous bafouons la sainteté de Dieu? Combien nous négligeons la sainteté de l'Éternel? Combien nous vivons comme nous voulons? Dieu est saint. Il faut que son peuple soit aussi saint. Dieu demeure saint. Mais c'est lui maintenant qui nous sanctifie par sa présence, par sa parole. Nous devons écouter la parole de Dieu. Elle contribue dans beaucoup de notre marche chrétienne, dans la sanctification. Mais nous devons fournir aussi des efforts pour approcher ces dieux saints. Nous ne pouvons pas l'approcher n'importe comment. Chacun de nous doit examiner sa vie. Nous devons examiner notre conduite, notre façon de voir les choses, notre façon de faire les choses. Ce n'est pas parce que j'ai 10 ans dans la vie chrétienne que je suis chrétien. C'est parce que j'ai 10 ans. Alors c'est nous qui avons bâti cette église-là. Après. Mais est-ce que tu marches avec Dieu? Ah, nous sommes les piliers dans cette église-là. C'est nous qui avons fondé l'église. Mais est-ce que tu marches avec Dieu? Parce qu'un jour, nous tous, nous avons laissé la terre. Je ne veux pas que tu oublies le ciel aujourd'hui. Je veux t'imprégner du ciel. Je veux te dire que tout ce que tu vois, la beauté hollywoodienne, ça va rester sur la terre. Tous nos amis vont rester sur la terre. Tout ce qui est sale là, ça va rester ici. Peu importe ce que tu cherches à gagner là. Ça va rester sur la terre. L'essentiel pour toi, c'est Jésus-Christ dans ta vie et que tu marches avec lui. Amen. Si tu veux gagner plus le monde, mais gagne le monde. Mais le jour que le monde va te lâcher, tu vas pleurer devant Dieu. Et comme on ne manipule pas Dieu, Dieu va te sauver. Mais tu n'auras pas tout ce que tu lui demandes. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu n'importe comment. Les gens approchent un Dieu saint dans la sainteté. Ils approchent les dieux dignes dans l'indignité. Ils approchent les dieux saints, purs, dans l'impureté. On ne considère pas ce qu'on a. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire ceci dans le livre des Corinthiens. Chapitre 11, 1 Corinthiens. Il dit,
C'est parce qu'à cause de ce genre de conduite, quand vous prenez la, pensez pas à la table du Seigneur, c'est pour ça qu'il y a des malades, il y a des morts. Il y a des paralytiques, des paralysés. À cause de quoi? Mais à cause de ce non-respect de la présence de Dieu. Vous participez à la table du Seigneur, vous êtes dans des problèmes sales. Tu es dans une vie trop sale. Mais tu t'approches de Dieu. C'est pour ça que plusieurs sont frappés. Est-ce que vous le savez? Combien sont ceux-là qui sont déjà frappés par la malédiction de Dieu, mais qui sont avec nous dans les mondes? Parce qu'ils jouent avec Dieu. Vous savez, si tu as goûté aujourd'hui quelque chose qui tue, tu vois que tu n'es pas mort, tu risques d'être leurré, d'être trompé, de croire qu'il n'y a pas la mort dedans. Mais avec le temps, tu vas te rendre compte qu'il y avait déjà la mort qui était entrée dans ta vie. Le jour qu'Adam et Ève avaient mangé les fruits, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient déjà morts. Mais avec le temps, qu'ils vont se rendre compte, oui, c'est fini là. C'est fini, on est mortel, c'est fini. Ne jouons pas avec la vie. Alléluia. Mais servons Dieu dans la sainteté. Esaïe est en train de voir Dieu ici, le Dieu qui est digne de gloire. Esaïe est en train de crier. Malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit? Malheur à moi, pourquoi? Parce que j'ai les lèvres et j'habite au milieu d'un peuple qui a des lèvres. Donc un peuple, quand il se met à parler, bêtise sur bêtise, impureté sur impureté. Donc, vous savez, il y a des gens, quand tu vois ce qu'ils font dans le secret, tu risques même de pleurer, de dire, je pensais que tu étais chrétien ou chrétienne. C'est pour ça que la Bible dit, plusieurs des premiers seront les derniers. Plusieurs des derniers seront les premiers. Faites attention avec les gens qui vous négligent dans les églises. Les gens qu'on néglige souvent dans les églises, on le voit. Lui, elle, c'est comme si elle commence à apprendre. Mais faites attention qu'elle ne dépasse pas. Parce que Dieu ne considère pas l'ancienneté d'une personne dans une église. Dieu considère la conduite et la relation qu'on a avec lui. Amen. Plusieurs des premiers seront les derniers dans l'église devant le Seigneur. Plusieurs des derniers seront les premiers. Tout dépend de ta relation avec Dieu. Est-ce que tu marches avec Dieu ou tu marches dans le péché? Plusieurs personnes connaissent déjà Dieu. Ils vivent dans le péché. Ils disent que Dieu va comprendre. Parce que la Bible dit là où le péché abonde, la grâce abonde. On ne bafoue pas Dieu, la connaissance de Dieu, la sainteté du Seigneur. On respecte Dieu. Si tu fais un mal et que tu as la conscience de la chose, fais attention avec la colère du Seigneur. Parce que la Bible dit c'est qu'un homme aura semé, il le mentionnera. Alléluia. Bien-aimés, respectons le Seigneur. Marchons dans la crainte de Dieu. Nous ne pouvons pas servir Dieu avec le monde. Quand on dit servir Dieu et maman, maman c'est l'attachement à la richesse. Combien de gens sont prêts à servir le monde alors que nous sommes dans l'église? Nous sommes des chrétiens. Combien sont ceux-là sont prêts à faire tout ce qui est du monde en étant en pleine église? Combien sont ceux-là qui sont prêts à vivre comme des païens en étant des hypocrites? Dans l'église, Dieu voit tout, Dieu sait tout, et devant lui, rien n'est caché. Est-ce que je peux entendre les amens? Rien n'est caché, ta vie n'est pas cachée devant Dieu. Tout ce que tu fais, ce n'est pas caché devant Dieu. Dieu voit ton cœur, il connaît la profondeur de ton cœur. Dieu peut sonder ton cœur. Dieu connaît ce que tu penses à l'instant. Dieu connaît ce que tu as fait hier. Est-ce que tu veux changer? Amen. Les termes hébreux Safa ou grec chelios qui désignent les lèvres de la bouche, le bord d'un vêtement. Les lèvres sont liées au cœur et à l'esprit. Lorsqu'on parle de lèvres, on établit un lien avec le cœur et l'esprit. Les lèvres parlent. Les lèvres crient de joie, glorifient Dieu, retiennent la connaissance, annoncent le Seigneur. On dit de Moïse qu'il avait les lèvres malhabiles, donc c'est-à-dire qu'il manquait l'éloquence. Les lèvres plaident, tremblent de peur. Elles ont des qualités morales, vérité et justice. Les lèvres peuvent faire aussi le mal. Les lèvres fausses disent les mensonges. Les hommes pêchent par leur langue. La langue et la bouche aussi pêchent ou glorifient Dieu. Avec les lèvres, elles deviennent parfois paroles ou langage. Glorifier Dieu de la bouche et des lèvres est une louange vide quand le cœur n'y est pas.
l'adoration. De la même bouche, il y a n'importe quoi. L'homme de Dieu est en train de dire, malheur à moi, quand j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et moi-même aussi. Alors la Bible dit que la bouche, la langue, un petit membre, mais qui peut créer, un feu incapable d'embrasser toute une forêt. Par la bouche, nous détruisons. Par la bouche, nous créons. Par la bouche, nous rapprochons les gens. Je me dis qu'il y ait des repentances aujourd'hui sincères. Est-ce que je dis à vous, je parle à quelqu'un. Amen. Combien d'entre nous, tels que nous sommes, nous avons détruit plusieurs personnes, plusieurs cœurs par nos phrases. Combien d'entre nous, nous avons détruit plusieurs relations par nos phrases. Il y a même des gens qui sont allés. On nous apprenons des choses des fois. Vous apprenez que ce couple-là est divorcé. Qui était à la base de ces mensonges? C'était soi-disant une sœur d'une église. Bien aimé, craignons Dieu. Par la même bouche, nous détruisons plusieurs personnes. La sœur qui n'a pas ce que toi tu as, elle se voit critiquer par toi qui parle la langue. Quand on commence à parler la langue, tu parles tellement bien. Mais quand tu prends les critiques de la même bouche, on est prêt à être étonné, frappé. Des fois, combien tu te critiques? Plusieurs parlent très bien la langue. Prie, tu passes 2-3 heures du temps dans la présence de Dieu, c'est très bien. Mais combien de temps tu passes dans les critiques? Combien de temps tu as détruit les vies des gens par tes paroles? Pourquoi tu passes le temps seulement à appeler les gens de ta famille pour détruire ta belle-sœur, ton beau-frère, pour détruire ton mari, pour détruire, je ne sais qui, tes amis? Pourquoi tu passes le temps à détruire les gens au téléphone? Pourquoi? C'est comme je me rappelle à l'époque, quelqu'un qui disait en France, quand j'étais à l'époque à Paris, il y avait quelqu'un, lui lorsqu'il était en colère dans l'église, il appelait presque tout le monde dans l'église pour les décourager. Il a appelé plusieurs personnes, je me rappelle ces jours-là, il y avait comme une vingtaine de personnes qui sont pas venues à l'église, des chantres, parce que le frère n'était pas content par rapport à ce qu'on lui avait dit, les responsables. Alors il les a appelés tous, ils sont restés à la maison. Et les samedis, même un des frères est venu, sont venus prendre les instruments qu'ils avaient achetés, les batteries. Vous ne savez pas pourquoi les gens meurent dans les choses de Dieu. Vous ne savez pas pourquoi les gens, des fois, ils ont des vies écourtées à cause de Dieu. Je dis, si tu sers Dieu dans la crainte, si tu sers Dieu dans la vérité, si tu sers Dieu dans la droiture, si quelqu'un ose te combattre, je te dis, Dieu entrera dans cette affaire. Amen. Retiens ça, ça n'a rien à voir avec les pasteurs. Même avec toi, si tu sers un Dieu dans la crainte de Dieu, si tu marches dans la sainteté, si tu marches avec Dieu, même si les démons, les sorciers de ta famille sont plus puissants, quand ils attaquent, ils bouffent toujours. Ils vont venir dans ta maison, ils ne pourront rien toucher. Amen. Parce que tu marches avec Dieu. Mais la seule chose qui va donner droit à l'accès des démons dans ta vie, c'est les péchés. C'est pour ça que la nature de Dieu ne peut pas supporter les péchés. Dieu ne vit pas dans les péchés. Dieu vit dans la sainteté. Saint, saint, saint. Et l'Éternel des armées. Et la terre est remplie de sa gloire. Est-ce que tu veux marcher dans la gloire de Dieu ou tu veux marcher dans les péchés? Marcher dans la gloire de Dieu, c'est avoir un cœur d'humilité. Marcher dans la gloire de Dieu, c'est avoir un cœur qui est attaché au Seigneur. Un cœur qui aime Dieu. Un cœur qui pense à l'Éternel. Matin, midi, soir, David disait, quand le matin arrive, je pense à toi, Seigneur. Je t'aime, je parle. Mon âme, oh, bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, bénit l'Éternel. Il se parle de lui-même. Il dit, mon âme, bénit l'Éternel. N'oublie rien. Considère tout ce qu'il a fait dans ta vie. Amen. Il dit, pense au bienfait de Dieu. Pense. Compte le bienfait de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien les nombres en est grand. Compte le bienfait de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Et tu verras en adorant combien les nombres en est grand. Combien Dieu a fait des bonnes choses dans ta vie. Mais qu'est-ce que tu dis à Dieu? Est-ce que tu es reconnaissant à l'Éternel? Est-ce que tu es reconnaissant à l'Éternel pour ce qu'il a fait dans ta vie? Quand Dieu commence à te bénir avec une petite bénédiction, c'est fini, tu n'as plus le temps pour le Seigneur. Quand tu te donnes un salaire de $15, dis à ton voisin, $15. Tu sais, moi, je n'ai pas le temps. Là, maintenant, il est français, même l'accent, même change.
Et je sais, je parle de temps. On souffle même. Pourquoi? Parce que c'est juste 15 dollars. 15. Même pas 20. 15 dollars. Des fois, nous rabaissons pour des choses inutiles, bien-aimés. Tout vient de Dieu. Tout vient de l'Éternel. Ton mariage vient de Dieu. Les enfants que tu as viennent de Dieu. Ton mari vient de Dieu. Ta femme vient de l'Éternel. Tout vient de Dieu. Tes biens, ta santé, tes études, tes diplômes viennent de l'Éternel. Que personne ne puisse dire, c'est par ses capacités, c'est par son intelligence. Mais c'est Dieu qui a le cœur du roi de tout un chacun entre ses mains. C'est Dieu qui est favorable à ta vie. Tout vient de l'Éternel. C'est pour cela qu'à l'Éternel, je dirais gloire, gloire, gloire. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La terre est remplie de sa gloire. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. On ne dit pas d'autres cris, des cris de joie. Vous tous habitants de la terre. Célébrez-les avec vos cœurs. Parce qu'il est seul. La Bible dit, l'ange qui pleurait dans Apocalypse 5. Et il pleure, il dit, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Elle vient, on va dire à cet homme de Dieu. Regarde, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Lui, il est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et je vis l'agneau qui s'avançait, qui a pris les livres. Amen. Et elle, cantique nouveau, fut chanté. Bien aimé, quand tu entres dans les sceaux de Dieu, tu commences à changer de langage. Quand tu entres dans les sceaux de Dieu, tu ne vis plus comme les hommes normaux. Parce que toi, tu es un homme extraordinaire, un homme surnaturel. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Tu es dans ce monde, mais tu es céleste. Tu marches dans la sainteté. Tu parles dans la sainteté. Tu ne détruis pas, mais tu construis. Tu vis dans la crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Si tu obéis à l'Éternel, il te sera favorable. Si tu veux voir la main de Dieu, obéis à sa parole, applique sa parole dans ta vie. Marche dans la crainte de l'Éternel. L'Éternel combattra pour toi. Même quand tu garderas le silence, tu n'as pas besoin de gêner. Marche avec Dieu. Dieu combattra tes ennemis et ils s'enfuiront par cette chemin. Marche avec Dieu. Dieu attaquera tes ennemis. Sers l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. C'est à l'eau, l'Éternel intervenant dans ta vie. Marche avec Dieu. Sers Dieu parce que nous ne servons pas un homme. Je me rappelle, mes parents, ils vont m'excuser. Un jour, ils nous ont emmenés chez la cousine de mon père. Je ne sais pas si papa, si c'était à Milou. Je ne sais pas si c'était à Milou. J'étais petit. Bien aimé, ce jour-là, ma tante, la grande cousine de mon père, elle a pris des feuilles là. Je ne sais pas des feuilles de quoi. La nuit, hein. Au dos ici. Elle est dans le sol. Maman, que Dieu te bénisse. Ah, elle est bleue quand même. Est-ce que ma prêche libre, ma bien-aimée? Amen. Elle reçoit ça. Maman, Dieu te bénisse. Ces jours-là, elle nous frappe avec des trucs là. C'est quoi ça encore? Elle m'a cassé dans des feuilles. Vous en plein minuit. C'est pour ça que quand tu comprends Dieu, tu vas les servir très bien. Amen. C'est pour ça que quand quelqu'un me dit, pourquoi vous servez Dieu? C'est parce que tu es échoué. Je dis, moi, échoué. Tu sais d'où Dieu est allé me chercher pour me dire que c'est échoué. Je n'ai pas échoué. Je suis très équilibré dans la tête. Oh, je suis. Là, ça fonctionne en dedans. Ma femme peut vous le dire, ça fonctionne. Et je suis équilibré dans ma tête, c'est très clair. Amen, papa. Amen. Pour m'encourager. Amen. C'est équilibré là-dedans. Nous ne pouvons pas servir. On a vécu des cérémonies bizarres où je me rappelle, on pouvait tuer un animal, bien les coqs. Je ne sais pas s'il y avait l'intérieur, avec seulement de l'huile, des choses bizarres, et vous allez manger. Alors on participe à ce genre de cérémonie, elle faisait des incantations, des choses rouges, et mandona, tout ça, vaudou, machin, truc, elle sortait, elle dansait avec des trucs rouges, mais aujourd'hui où est-ce qu'elle est? Au cimetière. Enterré. Parce que lorsqu'on est sorti de là, ils ont commencé à nous attaquer maintenant. Ils ne voulaient pas parce qu'ils n'aiment pas perdre.
Ils ont commencé à nous attaquer et on a vécu le mystique au quotidien comme tu ne peux pas imaginer. C'est pour ça que ça m'étonne de voir des gens qui ne comprennent pas les bienfaits d'être avec Dieu. Pour venir à l'église, je dois t'appeler pasteur. Je dis, j'observe beaucoup de gens. Est-ce que quelqu'un m'a vu à l'appeler? Des fois, je vous appelle. Mais ça me fait mal de voir que je dois vous appeler pour venir à l'église. Parce que moi, je sais où c'est que tu as fait dans ma vie. Moi, si ce n'était pas Dieu, j'allais mourir. On était dans les mystiques. On croyait servir Dieu, mais nos tentes nous ont trompés. Alors si maintenant je vois ce que Dieu a fait dans ma vie, pourquoi pas se le servir? Mais toi maintenant pour le servir, tu ne comprends pas, il faut que le pasteur t'appelle. Si le pasteur ne t'appelle pas, tu viens pas. Tu dis, alors, lui ici ne m'appelle pas, je ne vais pas venir. Mais c'est ta vie. Dis à ton voisin, c'est ta vie. Nous devons quitter cette étape-là. Ce n'est pas l'étape de la maturité. On n'a pas besoin d'un million de brebis dans les rochers des vainqueurs. On a besoin de véritables chrétiens dans cette église. On a besoin des enfants de Dieu, nés de nouveau, qui connaissent les Écritures, qui sont capables de défendre leur Dieu valablement partout. Amen. On a besoin de chrétiens qui marchent dans la sainteté. Des gens qui marchent dans la crainte de l'Éternel. Vous savez, quand on a quitté, ils ont commencé à nous attaquer. Mais si vous marchez avec Dieu, bien aimé, Dieu va commencer à éliminer dans le silence un à un. Un à un. Et si vous dites continue, un à un, Dieu les élimine. Jusqu'à ce qu'ils nous ont laissés. C'est pas qu'ils nous ont laissés dans la paix, mais Dieu nous a donné la paix. Ils sont partis. C'est pas ma faute. Ils ont combattu les dieux des armées. On parle ici de l'Éternel Sabaoth. Les dieux qui combattent, qui gagnent toujours. Il n'a jamais perdu quand il combat. Il attaque et il gagne. Si vous servez Dieu, marchez dans la crainte de Dieu. Si vous marchez avec Dieu, servez-le dans la crainte. La sainteté vous protégera, bien-aimé. Tu n'as pas besoin de crier trop l'onction, l'onction, la puissance, non. Marche dans la sainteté. Quand le diable viendra chercher quelque chose dans ta vie, il ne trouvera rien parce que tu n'as rien de lui. Mais si tu as quelque chose de Satan dans ta vie, c'est-à-dire la colère, les péchés, la médisance, la jalousie, les calomnies, il a une porte d'entrée dans ta vie. Mais si tu marches dans la sainteté, même si tu attaques en plein midi, tu ne craindras ni la contagion qui frappe en plein midi, que mille tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Tu marcheras avec l'Éternel et il te protégera dans toutes tes voies. Marche avec le Seigneur, sers Dieu et tu verras la main de l'Éternel qui va te sécuriser. Marche avec Dieu, sers-le de tout ton cœur et personne ne pourra te toucher. Crains l'Éternel, marche dans l'obéissance, même si les démons de ta famille se lèvent contre toi, ils ne pourront rien faire dans ta vie, car tu es proche de Dieu. Amen. On n'est pas proche de Dieu parce qu'on crie l'onction, on est proche de Dieu dans la sainteté. Amen. Dans la sainteté. Dieu a ton voisin dans la sainteté. Dans la sainteté. C'est dans la sainteté qu'on s'approche de Dieu. Il est saint. Il dit, vous serez saint car votre Dieu est saint. Amen. Regardez les lèvres. Combien de gens ont détruit les vies dans les lèvres? Combien de gens détruisent les relations par les lèvres? Beaucoup. Combien de gens font n'importe quoi par les lèvres? Combien de gens parlent n'importe quoi par les lèvres? Qu'on parle en bouche, on est en pleine église, on critique en pleine adoration, on critique en pleine louange, regarde comment la sœur là est habillée. Mais est-ce que tu as l'argent? Pourquoi tu n'as pas assisté à ma sœur qui chante cet habit-là que toi tu as aimé là? Pourquoi tu ne lui donnes pas l'argent? Parce que si tu lui donnes l'argent de ta bouche, tu vas sortir encore pour dire à tout le monde, mais tu sais que la chemise qu'elle a, je dis, ah, c'est moi. Non, ça c'est l'homme. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de récompense pour les bienfaits que nous sommes en train de faire. Parce que quand on fait un bienfait, on parle encore à cause. Donc l'accomplissement ou bien la bénédiction de Dieu qui est liée au bienfait ne vont jamais te suivre. Nous devons vivre dans la crainte de Dieu, bien-aimé. Nous devons servir Dieu avec amour, avec crainte. Avant de finir, écoutez ce qu'il dit. Il est purifié. Nous voyons l'ange qui prend une pierre avec deux pincettes pour venir toucher les lèvres, n'est-ce pas? Pour expier, pour purifier ses lèvres, pour enlever les péchés. Bien aimé, c'est seulement les péchés qui suivent le corps. Ce que tu sors là, c'est ce qui te suit. Ce que tu sors là, c'est ce qui détruit ta vie. C'est ce qui détruit ta relation avec Dieu. Ma sœur, mon frère, préserve ta bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plusieurs personnes prient beaucoup, mais ils perdent rapidement la présence de Dieu. Parce que, vous savez, je suis en train de dire quelque chose qui me fait mal. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans les mensonges. Un homme de Dieu, un ami, un jour, je parlais avec lui, il m'a dit,
m'a dit, j'ai parlé avec quelqu'un. Pendant que je parlais, mon cher, quelqu'un, cette personne commence à me dire mensonge. La première phrase, deuxième phrase, mensonge. Troisième phrase, mensonge. Il a dit, ah, mon cher, j'ai même honte de dire à la personne que tu mens. J'ai regardé la personne pour que la personne comprenne qu'elle était en train de mentir. Il y a des gens qui mentent en face. Arrêtez de faire ça. Si tu as la capacité, de dire la vérité, dis la vérité. Amen. Soyons sages, soyons saints, marchons dans la crainte de Dieu. Purifions nos vies, marchons dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas servir Christ et Bélial. Nous ne pouvons pas servir Dieu et le monde. Arrêtez de parler beaucoup. La bouche qui parle, tout ne manque point de péché. Dis la parole. Mais il faut avoir les freins dans la langue. C'est pour ça que plusieurs personnes parlent, ils détruisent eux-mêmes leur mariage, ils détruisent eux-mêmes leurs relations, ils détruisent beaucoup. La personne qui est à ta gauche peut apporter beaucoup dans ta vie, mais tu l'ignores. Ne détruis pas la relation, la vie avec la personne qui est à ta gauche, à ta droite. Ne néglige pas ton frère qui est à côté de toi. Il peut servir d'un pont, d'une bénédiction pour ta vie. Ne détruis pas la relation à cause de la mégestion de la langue. Contrôle ce qui sort de ta bouche. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Vous détruisez beaucoup. C'est par la même bouche que vous maudissez vos enfants. L'enfant fait une bêtise. Toi, vraiment, ta vie, ça ne va pas marcher. C'est fini pour toi. Tu maudis ton fils. Toi, ta vie, si je savais, je ne sais pas même pas si je pouvais t'avoir. Donc, par la bouche, la même bouche qui adore Dieu, on prononce n'importe quoi. On dit n'importe quoi. Je suis en train d'insister à l'église de sortir de ces phrases, de sortir de cette conduite, de sortir de cette façon de voir les choses. Par la même bouche, tu es en train de regretter tous les jours ton mariage. Tu vis avec ton mari, mais tu regrettes tous les jours ton mariage. Tu vis avec ta femme, tu regrettes tous les jours le mariage. Quand tu prends la bouche pour parler de ton mari, c'est comme si tu parlais d'un autre. Quand tu prends la parole pour parler de ta femme, c'est comme si tu parlais d'une personne que tu viens juste de découvrir. Tu regrettes tellement dans le cœur. Et quand tu parles, tu te contrôles pas alors que tu l'avais. C'est pour ça que j'ai dit, faites attention avec les belles déclarations qu'on fait dans les temples. Lorsqu'on marie les gens. Est-ce que vous êtes là? Amen. La plupart des gens qui se sont mariés à l'époque, même quand nous on n'existait même pas, ils n'avaient pas fait toutes ces déclarations. Mais d'autres sont toujours ensemble, n'est-ce pas? 50 ans de mariage, 45 ans de mariage, 60 ans de mariage. Ils sont toujours ensemble, n'est-ce pas? Parce que les belles déclarations, ce n'est pas ça qui définit l'amour. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que... Oh, toi, tu es la rose. Ce n'est pas toutes ces déclarations, parce que nous avons assisté dans plusieurs faits de mariage, et après, il n'y a plus de mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Cet été à l'Éternel, plusieurs vivent dans une même maison, mais des chambres séparées. Mais quand vous le voyez, ils disent, selon les apparences, cet été à l'Éternel même dans la maison. Ils vivent ensemble, mais ils ne sont plus ensemble. Les divins devenus son lit. Et tous les oreilles, c'est au salon la nuit. Quand on vient à l'église, on est correct. Mais Dieu sait tout, Dieu voit tout. Sainteté à l'Éternel. Marchons dans la sainteté, même dans la maison. Amen. Tu la connais, tu ne jettes pas la salive sur la nourriture que tu prépares pour ton mari. La sainteté. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ne me dis pas, pasteur, arrête, parce que je suis en train de parler de la parole du Seigneur. Amen. Parce que vous ne pouvez pas savoir ce que les gens ont fait dans certaines personnes. Je ne parle pas ici, mais c'est ce que certaines femmes ont fait dans leur mariage. Alors quand la colère t'emporte, retiens-toi, contrôle-toi. Ne commence pas à jeter la saleté dans la bouffe parce que je suis en train d'insister là-dessus. Donc même il voulait les femmes. Il a la chance seulement. Ayons le cœur qui aime. Ayons le cœur de Dieu. Ayons la nature de Dieu. Vivons dans l'amour les uns envers les autres. C'est alors que nous ferons la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas servir Dieu si nous sommes une nation sale. Nous devons servir Dieu dans une attitude de la sainteté, de la pureté. Écoutez la conclusion, on dit, la souche de ce peuple sera une semence sainte. Parce que Dieu a besoin d'un peuple saint. Dieu a besoin d'une nation sainte. Dieu a besoin des gens qui marchent dans la sainteté. Des gens qui marchent dans la crainte. Des gens qui disent la vérité. Des gens qui aiment. Ton frère, pour conclure, cherche du travail. Et toi, tu sais qu'il y a du travail dans tel endroit.
Mais comme toi, tu n'aimes pas qu'on te voit quand tu travailles, tu t'es dit, si je lui disais, ah, il va me voir. Mais toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Parce que quand tu fais du bien à ton frère, tu l'aides, n'est-ce pas? Mais si tu... La Bible dit, c'est lui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet quoi? Un péché. Un péché. Mais tu vois ton frère qui cherche du travail et que toi, tu sais que tu peux lui trouver du travail. Ça ne demande pas, même pas une compétence quelconque. Mais tu te retiens. Tu gardes la nouvelle parce que tu ne veux pas qu'il te voie là où tu travailles. Parce que tu sais un peu des zigzags que tu fais dans le travail. Mais un jour, Dieu va sortir un frère par hasard, il sert dans ton travail, sans passer par toi. C'est alors qu'on va découvrir des choses. Marchons avec Dieu dans la sainteté au travail, à l'école, à l'université, partout où nous sommes, marchons avec Dieu. Pas des frères et sœurs qui sont tout le temps dans les boîtes, mais tous les jours aussi dans l'église, tout le temps dans les boîtes, tous les jours dans l'église, vous prenez la bière et l'alcool, vous êtes à l'église. Non, marchons dans la sainteté, bien-aimé. Écoutez, moi, excusez-moi dans l'église, moi je parlerai de l'alcool, de la cigarette, des choses qui détruisent le corps des gens. Amen. Je parlerai toujours de ça. Je ne peux pas m'empêcher de parler de ces choses parce que vous êtes dans l'église du Seigneur. Si je n'en parle pas, ce sera pour moi un péché. Je dois parler de ces choses-là parce que ça détruit plusieurs personnes. Ça ne sert à rien de vivre avec autant de bouteilles de whisky dans la maison, de bouteilles de vin dans la maison, autant de paquets dans la maison. Marchons dans la sainteté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça ne sert à rien de vivre avec autant de choses dans la maison. Oh, c'est très décoratif. Faites attention avec les interdits dans la maison. Les choses que vous allez comprendre beaucoup de choses, je vais parler trop loin. Vous allez arrêter de vivre avec les interdits dans la maison. Vous introduisez n'importe quoi dans la maison, ça vous apporte le malheur. Vous vivez dans la saleté, vous ne vous rendez pas compte le mal que vous êtes en train de vous faire vous-même. Mais vous voulez que Dieu vous bénisse alors que vous êtes vous-même l'occasion de votre chute, le blocage de votre vie. Marchez dans la crainte de Dieu. Amen. On va se lever, on va prier. Une contre-prière. Chacun de nous va se repentir, va demander pardon à Dieu, va dire à Dieu, aide-moi. Je marche dans la crainte de ton nom. Je vais te servir dans l'obéissance de ta parole. Je vais te servir dans l'amour, dans la crainte. Prions s'il vous plaît. Éternel Dieu, nous te bénissons parce que tu es le maître des temps de circonstances. Voulons Dieu, Seigneur, que tu nous sois favorable. Voulons Dieu que tu nous bénisses par ta grâce. Voulons, Père éternel, que ta main soit sur nous. Et Seigneur Dieu de gloire, viens bénir l'église, les rochers, viens bénir ton peuple, tes enfants. Et dans ta main sur nous, Jésus, que ta grâce soit sur nous. Que ta main nous couvre, que ta grâce soit sur nous, dans les noms puissants de Jésus. Dieu de gloire, que ton nom soit glorifié. Ma soeur, mon frère, si elle s'est repentie, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour qu'il te donne la force de t'en sortir. Demande pardon à Dieu pour qu'il t'aide. Ça ne sert à rien de vivre dans le péché, dans le mal.